En tout cas, je suis très fière parce que maman, j'ai pu, connaissant, parce que je travaillais beaucoup, j'ai travaillé pendant 10 années avant que maman elle ait Alzheimer en fait. J'ai travaillé beaucoup avec les personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer, avec le chant, grâce au chant, donc je rentrais en communication avec les personnes Alzheimer. Et donc, je savais quand l'annonce de maman par rapport au diagnostic de sa maladie a été faite, je savais, je connaissais un petit peu comment ça allait se passer pour elle, pour nous. Donc, j'ai eu vraiment le temps de lui écrire une chanson qui s'appelle Mamma Mia. J'ai eu le temps, psychologiquement, moi, d'être le plus prête possible à accepter qu'à un moment donné, elle allait oublier qui j'étais, etc., etc. Et j'ai eu le temps de lui dire je t'aime, etc., etc. Donc ça c'est super. Je ne l'ai pas accompagnée physiquement, parce que j'étais à Paris et qu'elle était en Savoie, et que c'était très compliqué déjà pour moi. Il fallait que je gagne ma vie, etc. Donc je faisais des allers-retours comme je pouvais. Mais j'ai fait de mon mieux. Parmi tes créations, quelle est ta plus grande fierté? La chanson de ma maman. Mamma mia. Mamma mia parce que j'ai pu lui dire tous les mots. J'ai pu vraiment l'accompagner entre guillemets, pas comme ma sœur l'a fait sur le plan physique. J'ai eu le temps de lui dire, j'ai eu le temps de lui faire la chanson, j'ai eu le temps de la faire venir sur Paris, de l'enregistrer, de faire une vidéo où on la voit. Et ça, c'était 3 mois avant qu'elle soit alitée. C'était un miracle pour moi parce que tout s'est combiné. Il n'y a pas de hasard, mais tout s'est combiné au bon moment. C'était pas prévu qu'elle vienne sur Paris. Paf, allez, bah, on met en place. Moi, je sortais d'une très très mauvaise grippe, donc j'étais encore faible. Et les équipes techniques se sont réunies. Ok, ça y est, la maison de retraite. Ah bah ok, oui, on vous prête le lieu. On organise ça un après-midi. Les enfants, parce que je voulais qu'il y ait des enfants dans cet après-midi festive. Tout s'est combiné merveilleusement. J'étais épuisée après, mais c'était beau, c'était super beau. Et puis maman était là et ça c'est il y a la chanson, il y a tout, il y a tout, il y a les images et puis ça continue puisqu'elle fait partie d'un de mes personnages sur scène, elle est toujours là, ça continue, je chante cette chanson, je contribue alors. Je vais pas raconter l'histoire du petit colibri, mais forcément, forcément, ben oui, elle est publique cette histoire, hein, elle appartient à personne. Forcément, ben, je fais de mon mieux pour participer à ma hauteur, mais quelque part, ben, cette chanson, je l'interprète sur scène, donc mes droits d'auteur sont reversés à l'association. C'est ça que j'ai envie de développer. Donc, je cherche des bénévoles qui veulent organiser, se charger de la billetterie, etc. Et évidemment, je viens soit faire mon spectacle, soit chanter un petit tour de chant au profit de l'association France Alzheimer. Et l'association sur Paris, ils le savent que j'ai envie de mettre tout ça en place pour cette cause qui me tient à cœur parce que beaucoup de personnes sont impactées. Dans chaque famille, je pense on a forcément une personne que l'on connaît qui est touchée par cette maladie. Voilà. En quelle année tu as fait cette chanson, ce clip? 2011. J'imagine que ton frère et ta sœur l'ont vu. Ah oui, tout à fait. Ils étaient très fiers. Hein. Très, très fiers. Oui, c'était. Alors mon frère n'avait pas pu être le jour du tournage parce qu'il était en Savoie. Mes sœurs étaient là. Il y en a une de chacune du côté de maman. Et c'était superbe. C'était un chouette moment, vraiment.